à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça, cette politique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un sacré malaise. Il y a un sacré malaise. Non seulement le malaise national, mais nous, au niveau de la région, là, on le ressent encore. La ferme de l'hectare, elle est simple. Elle est simple, c'est l'emploi. Et la vérité, elle est cruelle. Mais la vérité, c'est qu'on a très peu de moyens d'action sur l'entreprise. C'est ça, la vérité. La vérité, elle est là. Mais pourquoi les animaux? Pourquoi on va voter? Pourquoi on vote? Pourquoi on a voté il y a un an de ça? Pourquoi on a voté? Pour être défendu, c'est pas les partis défendus. On a voté pourquoi? Parce qu'il y avait un espoir, il y a un désespoir, tu le sais. Je le sais bien. Mais alors, quelle réponse la politique a à faire au papetier? Quelle est la réponse? À l'emploi en général. Parce qu'on vous a fait confiance, vous nous avez demandé. Mais on n'a pas de. On vous les a donnés. Ah bah alors, sur quoi vous apportez? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent pour les salariés? Sur quoi? Il n'y a pas d'argent pour les salariés. Tous les jours, on entend les affaires. Il y a des millions qui se trament, qui se magouillent et tout le machin. Il n'y a pas d'argent pour nous. Ça fait un an qu'il a fait une maison où il est papa. Comment vous voulez que nous, parents, on puisse accepter ces situations? Dites-moi, vous, moi j'attends des propositions pour tous ces gars qui se battent. C'est un combat, non, de se battre pour leur suppression de budget. Voilà, oui. C'est un gros, maintenant. Vous ne pouvez rien. On ne peut rien, écoutez-moi bien, on ne peut rien sur la stratégie industrielle de l'hectare. C'est ça la vérité. Et c'est pareil dans toutes les entreprises. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'amortir le choc, c'est d'essayer de négocier avec eux, parce qu'ils auront besoin d'investissement. Comment on peut les donner ?